Bon, le symbole, tu vois, la particularité de cette célébration à Kagit, il faut remonter ça des années antérieures. Il faut dire que Kagit, c'est le plus gros village de l'arrondissement, sinon du département. Donc, elle a connu des déplacements des populations à un certain moment. Maintenant, c'est avec cette accalmie qu'on a noté, il y a le retour des populations. Donc, si on vient aujourd'hui célébrer cette fête de l'indépendance à Kagit, c'est pour lancer un signal fort aux uns et aux autres qui hésitaient encore de regarder, je ne dis même pas de venir, mais de regarder vers le village de Kagit. Donc cela note qu'il y a une paix et cette paix, elle doit être consolidée pour qu'elle soit une paix durable. Donc voilà un peu la spécialité de cette célébration, de cette fête indépendante dans le village de Kagit. Bon, le thème de cette année, les forces de sécurité et de défense, le rôle dans la protection de l'environnement. Il s'est trouvé que nous, la commune de Niassa, y est depuis 2 ans. Parce qu'on a eu des partenaires, une plateforme de partenaires, qui accompagnent la population dans le cadre de la protection de l'environnement. C'est en ce moment qu'on a créé 2 comités intervillageois. Le comité intervillageois de Kagit, le comité intervillageois de Dar es Salaam, le comité intervillageois de Bayot-Est. Donc, tous ces comités travaillent pour la restauration, la protection de l'environnement. C'est dans ce sens qu'il y a eu beaucoup de saisies, beaucoup d'interpellations au niveau de la forêt du Bayot-Est, qu'on appelle communément la forêt de Toubacouta. Donc, vraiment, ce thème est venu à l'heure sino venu nous renforcer dans ce que nous faisions depuis 2 ans. Effectivement, vous savez, comme je le disais tantôt, le village de Kagit devait être commune en même temps que le village de Tchonkessi. Compte tenu de la situation, elle n'est pas encore commune. Donc, cela permet vraiment de relancer l'économie, le développement du village pour venir retourner dans son périmètre d'antan. Parce qu'il faut dire que le village a connu des difficultés. En 92, ils étaient 3300 habitants. Donc forcément, on disait que les villages de 2000 devaient être communes. Donc compte tenu de la situation, on était. Donc aujourd'hui, il y a un espoir par rapport à la relance du village. Donc il y a la paix. Donc les gens, avec ça, on pense que les partenaires au développement vont mieux doubler leurs actions, leurs efforts, pour relancer le village de Kagit, relancer cet arrondissement. Oui, vous savez, comme on l'a dit, si la case de ton voisin brûle, il faut aller le secourir. Sinon, après sa case, c'est votre case. Donc ici, on a, ici, au niveau de Kagit, et environ, on a créé une structure qu'on appelle l'Alliance Sénégalo-Guinée pour la paix et l'intégration. Ça permet d'avoir tous les villages le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Vous avez même le premier vice-président de cette alliance et de la Guinée-Bissau. C'est lui en personne qui a conduit la délégation Bissau-Guinée aujourd'hui ici. Il a dit en créole que les deux peuples sont les mêmes, donc on doit se fréquenter, on doit avoir des relations saines pour que la paix soit là, pour que la paix soit durable et accompagnée. Sans cette fréquentation, la paix ne peut s'installer définitivement. C'est pour cela qu'ils se sont déplacés à Mans pour venir communier avec nous et ils nous ont même invités à leur fête indépendante également, qu'il y ait une délégation de cette alliance qui doit les rejoindre en Guinée-Bissau.